Vrai ou faux? Bonjour à tous, ici Dr Nozman et bienvenue à vous dans un nouvel épisode de Vrai ou Faux. Dans le dernier épisode, je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des facts vrais ou faux sur le cerveau. Voici vos commentaires. Tu peux faire une vidéo sur le cerveau? Bah écoute, c'est précisément le thème de cette vidéo en fait. Faut suivre un peu par contre, hein, là c'est plus possible. Bon, du coup, ce qui est bien, c'est que ton souhait est exaucé. C'est cool, non? On y va. Quelle est la capacité du stockage du cerveau? Demande Geek Linux. Eh ben c'est très intéressant déjà, mais c'est surtout vraiment beaucoup. Terry Sejnowski, neuroscientifique américain, a mesuré avec son équipe la capacité de stockage du cerveau. Il l'estime à 1 pétaoctet, soit 10 puissance 15 octets, soit 1 000000000000000000000000000 octets. Ouais, bon, c'est un petit peu dur à imaginer, mais comment ça s'organise tout ça? Ouais, ça c'est une bonne question ça. Eh bien, via les synapses. Les synapses sont les connexions entre les neurones, et ce sont eux qui vont gérer nos pensées et nos souvenirs via leur activité chimique et électrique. Chaque neurone peut avoir des milliers de synapses, le connectant à des milliers d'autres cellules. En sachant qu'on estime que le cerveau humain possède entre 50 et 100 milliards de neurones, ça fait quand même un bon paquet de connexions. Tout cet espace de stockage, hein, c'est immense et je suis même pas foutu de me rappeler des anniversaires de mes potes sans Facebook. Yes, un peu pourri comme disque dur, hein, franchement. Pourquoi on tombe dans les pommes? La sorcière des mots avec mes amis. Mais vos pseudos en ce moment, c'est waouh. Bonne question, surtout que tomber dans les pommes, c'est pas de la tarte. Non, c'est une blague de carambar de 95, je fais la collection, hein, te moque pas. Non, en vrai, une syncope se produit lorsque l'apport sanguin, donc l'apport d'oxygène, est trop faible dans ton cerveau. Alors il peut y avoir pas mal de causes différentes à ça. Mais par exemple, dans le cas d'une émotion intense, comme par exemple lorsque tu apprends la sortie du nouveau Smash Bros sur la Switch, eh bien, c'est ton système nerveux autonome qui s'enflamme. Là, c'est mon système nerveux autonome qui s'est enflammé, en fait. Il fait baisser ton rythme cardiaque, dilate tes vaisseaux sanguins, tout ça entraîne une baisse de l'apport sanguin au cerveau, et paf, syncope. Le système nerveux autonome, ben, j'en avais déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle « Pourquoi on pleure ?» Parce que ce petit bâtard, dès que ton corps ressent un truc un petit peu trop extrême, ben, il va te faire chialer pour te calmer, hein. Te faire t'évanouir si tu t'enflammes un petit peu trop, bref, il aime pas trop les émotions fortes, non, c'est pas son truc. Personne ne me traite. Les extraterrestres existent-ils? Oui. Le cerveau des singes vivants se mange dans certains pays, Kappa. Alors, tu veux la bonne ou la mauvaise nouvelle d'abord? La bonne, c'est que non, on ne mange pas la cervelle de singe vivant. Cette légende urbaine viendrait a priori d'un vieux film d'horreur sorti dans les années 70. Il s'appelle Face à la mort, où l'on peut voir des touristes dans un restaurant oriental ouvrir le crâne d'un petit singe vivant juste avant de déguster son cerveau. Charmant, j'ai envie de vomir. Bon, c'était bien entendu des effets spéciaux, hein. Mais la mauvaise nouvelle, bon, rappelle-toi, j'avais dit qu'il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, la cervelle de singe est bien consommée dans certains pays, comme la province de Guangdong en Chine notamment. Et parfois, directement à même le crâne du singe mort, hein. Alors cette pratique est quand même très rare, et les risques pour la santé sont importants. Car la consommation de cerveau ou de tissus nerveux d'animaux contaminés peut dans certains cas être responsable d'encéphalopathie spongiforme transmissible. Il s'agit de maladies neurodégénératives affectant le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. La crise de la vache folle par exemple d'il y a une vingtaine d'années était en fait une forme d'encéphalopathie spongiforme. Ces maladies sont provoquées par ce qu'on appelle des agents transmissibles non conventionnels, ou ATNC pour faire plus court. Non conventionnels puisqu'ils sont de nature exclusivement protéique, soit constitués de protéines, contrairement aux agents biologiques classiques que sont les bactéries, virus, parasites ou moisissures. Ces agents, également appelés prions, causent des lésions au sein des neurones de notre cerveau, qui mènent à la longue à des troubles de l'équilibre, de la sensibilité, puis à la démence et enfin à la mort, malheureusement. Alors la période d'incubation peut être très longue, et il n'existe pour l'instant aucun traitement. Donc ouais, hein, en plus d'être horrible comme pratique, manger de la cervelle de singe peut s'avérer fatal. Mange plutôt des courgettes. Oh, ça c'est bien les courgettes, c'est tranquille. Le cerveau de Dr Normand est-il plus volumineux que la moyenne? Docteur Normand. Alors non seulement tu flingues mon nom, mais en plus tu te rends pas compte à quel point c'est dangereux de traiter un breton de Normand en fait. D'ailleurs, petit message pour tous les Normands là, hein, le Mont-Saint-Michel. Il est breton, ok? Non, parce que c'est pas parce que vous avez rien d'autre d'intéressant à voir qu'il faut nous piquer des trucs, hein. Je vais me faire défoncer dans les commentaires. C'est de l'humour, c'est une blague, y'a pas de soucis. Il existe deux types de circuits moteurs, circuit de la récompense et circuit de la punition. Vrai, le système de récompense, aussi appelé système hédonique, est commun à pas mal de mammifères et est tout simplement vital pour notre survie. Afin de pouvoir assurer nos fonctions vitales telles que se nourrir, se reproduire, résister à l'agression, eh bien l'évolution a mis en place dans notre cerveau des circuits dont le rôle est de récompenser l'exécution de ces fonctions vitales par une sensation agréable de plaisir. C'est le système hédonique. Il fait partie du système limbique, comprenant l'aire tegmentale ventrale, qui contient des neurones à dopamine, l'hormone du plaisir, et le noyau accumbens, qui joue un rôle important dans la dépendance, le rire, le plaisir, la peur, l'effet placebo, tout ça. Alors concrètement, hein, ce système fournit la motivation nécessaire à la réalisation de tâches importantes pour notre survie. En gros, tu manges, t'es content, tu kennes, t'es content, t'as peur,
T'es pas content, j'aime pas avoir peur. Et forcément, le dysfonctionnement du système hédonique génère pas mal de troubles du comportement du coup, qu'ils soient alimentaires, affectifs, sexuels, etc. Quand tu te rends compte que faire un truc te procure du plaisir, bah forcément tu peux en abuser. Les principales récompenses sont les plaisirs gustatifs, sexuels ou somatosensoriels, c'est-à-dire liés au toucher ou à la chaleur par exemple, et les principales punitions sont la douleur et la peur. La douleur, ça fait mal. C'est pour ça qu'on éduque un chien en lui offrant des biscuits, un gamin en lui offrant un iPad par exemple. Le cerveau est principalement constitué de gras. C'est pour ça que les squelettes à Pompéi ont le crâne scindé en deux. La chaleur a fait bouillir le cerveau, puis le crâne a explosé. Faux ! L'anthropologue forensique américaine Elaine Pope a prouvé que ce mythe n'était qu'un mythe. Et oui, le crâne n'explose pas sous l'effet de la chaleur, car la pression n'est pas suffisante finalement. Parce que, ok, hein, le cerveau et un petit peu tout ce que t'as dans la tête va se mettre à fondre et à bouillir, comme dans une casserole. Mais il est plus probable que tout ça ressorte par les orbites, ou plusieurs autres ouvertures de ton crâne. C'est dégueulasse. On a souvent mal interprété le fait qu'on ait effectivement retrouvé des victimes d'incendie avec le crâne fracassé. Mais c'est tout simplement parce que, une fois consumé, le crâne devient en fait fragile et le moindre choc peut le faire se briser. Que ce soit via la chute de débris ou via une lance à incendie d'un pompier par exemple. Patchoun. Quand on pense à notre cerveau pense à lui. Et si je pense à ta phrase, c'est en fait mon cerveau qui y pense. Il pense à une phrase qui dit qu'il pense à lui-même. Si je est en fait mon cerveau, mon corps n'est donc qu'une enveloppe dont le cerveau est le pilote. Je suis un méga, putain, c'est trop cool ton truc! Quand les deux moitiés du cerveau sont déconnectées, callostomie, il semble que deux personnalités habitent alors le cerveau Monsieur Potter. Split brain. Vrai, enfin, plutôt vrai. Mais laisse-moi t'expliquer tout ça. La callostomie est une opération qui consiste à sectionner entièrement ou partiellement le corps calleux qui relie les deux hémisphères du cerveau. Cette opération est notamment pratiquée dans certains graves cas d'épilepsie pour arrêter la diffusion de l'activité épileptique d'un hémisphère à l'autre. Du coup, en fait, clac, on coupe au milieu. C'est le neurophysiologiste américain Rogers Perry qui s'est rendu compte dans les années 50 que sectionner le corps calleux d'un singe n'avait aucun impact sur son comportement. Bon, après, forcément, le singe, il pouvait pas vraiment raconter sa vie, quoi. Et expliquer, bah, s'il se sentait différent ou quoi. Mais bon, ils ont continué le truc sur les humains, et apparemment ça peut aider certains patients épileptiques. Alors c'est plutôt cool, non? Ouais, ça l'est, hein. Sauf qu'évidemment, ça peut provoquer des effets secondaires. Forcément, ton cerveau a parfois besoin d'envoyer des infos d'un hémisphère à l'autre pour fonctionner correctement. Alors, quand on lui coupe les lignes de communication, ça fout un peu le bordel. Par exemple, un patient verra un objet dans la moitié gauche de son champ visuel, analysé par l'hémisphère droit du cerveau, et sera incapable de donner son nom. Autre exemple, je sens que vous adorez. L'apraxie diagonistique, qui est un nom un petit peu compliqué hein, pour désigner en fait que ta main, généralement la main gauche, commence à faire un petit peu n'importe quoi. Elle agit toute seule et peut même parfois venir emmerder la main droite, comme si quelqu'un d'autre la contrôlait. Un peu flippant. Bon, du coup, quand même, pour en revenir à ton commentaire, c'est plutôt comme si une deuxième personnalité contrôlait juste ta main gauche en fait. Ça doit vraiment être perturbant quand tu veux quand tu veux écrire. Ouais, écrire. Le cerveau des gauchers est différent de celui des droitiers. Faux, c'est pas le cerveau qui est différent, mais plutôt la manière de l'utiliser. Oh. En fait, chaque hémisphère contrôle à la base la moitié des muscles de ton corps. L'hémisphère droit contrôle le côté gauche, et l'hémisphère gauche le côté droit. C'est comme ça, hein. Du coup, un de tes hémisphères domine légèrement l'autre, en fonction du fait que tu sois gaucher ou droitier. Sauf que bien évidemment, ton cerveau ne contrôle pas uniquement tes muscles. L'hémisphère gauche regroupe les zones impliquées dans le langage, le calcul mathématique et la logique. L'hémisphère droit s'occupe quant à lui du traitement des informations visuelles et auditives. Et des compétences artistiques, de la créativité. Donc un gaucher aura naturellement plus d'affinité avec l'art, tandis qu'un droitier avec la logique. Bon, attention hein, quand même, parce que le cerveau est tout de même un petit peu plus compliqué que ça. Et tout le monde se sert quand même de ces deux hémisphères en permanence, hein, ça y a pas de souci. Mais bon, il peut y avoir un petit truc hein, quand même, moi je suis gaucher par exemple. Et les anges de la télé-réalité là, ce sont en fait des sujets d'inexpérience à qui on a retiré leur cerveau pour voir s'ils s'en sortent dans la vie de tous les jours. À mon avis, c'est en fait plutôt toutes les séances d'UV qu'ils se sont tapées qui ont en fait grillé leur cerveau. Non, en fait, ce qu'il y avait avant l'an 0, c'était les dinosaures, et à partir de là, c'est après qu'il y a eu le... Nous, en fait. C'est pas possible sinon. Notre âme est stockée dans le cerveau. Bon, mélanger science et religion, c'est pas vraiment une bonne idée. Surtout que le concept d'âme, en fait, n'a pas vraiment rien de scientifique, quoi. Mais je vais quand même te parler d'une chose qui existe bel et bien, et qui semble avoir été prouvée, la conscience. La conscience, en gros, c'est la connaissance que tu possèdes de ton existence et de celle du monde extérieur. On peut rentrer assez vite dans des délires de philo ou de psychologie autour de la conscience. Mais la question qui nous intéresse ici, c'est où se trouve la conscience dans mon cerveau, en fait. Une étude menée par l'école de médecine de Harvard pourrait bien y répondre. Après avoir étudié un groupe de patients atteints de lésions cérébrales, certains dans le coma et d'autres non, ils ont identifié une zone du tronc cérébral qu'ils ont reliée au coma. Il s'agirait donc en fait du QG de la conscience. Un réseau de trois régions du cerveau spécifiques y seraient liées. En ce qui concerne la vie après la mort, il faudrait donc trouver un moyen de pouvoir copier cette conscience et de la coller dans une machine. C'était d'ailleurs la vision de Stephen Hawking, R.I.P. Sensei. Il avait déclaré, je cite, « Je pense que le cerveau est comme un programme dans l'esprit, qui est comme un ordinateur. Aussi, il est théoriquement possible de copier le cerveau sur un ordinateur, et fournir ainsi une sorte de vie après la mort. Cependant,
Cependant, c'est très au-delà de nos capacités présentes. Je pense que l'après-vie conventionnelle est une sorte de conte de fées pour des gens qui ont peur du noir. À bonne ambiance. Perso, j'espère quand même vivre assez longtemps pour pouvoir devenir un robot géant de 20 mètres. Et tout démolir. Non, pardon. Je me suis enflammé encore, comme tout à l'heure. La suite. Et dans certains pays, lorsqu'une personne était guillotinée, le bourreau soulevait la tête devant la foule. En réalité, ce n'était pas vraiment pour la foule, mais bien pour que le condamné puisse voir la foule, car même la tête coupée, le cerveau fonctionne encore quelques instants. Bref, alors bon, c'est un peu glauque, hein. Mais effectivement, a priori, une personne décapitée reste consciente quelques secondes après... après le... paf. Des expériences menées en 2011 par des chercheurs néerlandais tentent à le prouver. Enfin, sur des rats, hein, les expériences. C'est pas très sympa, hein, non plus. Mais bon, ils ont pas commencé non plus à décapiter des humains, quoi. Jusqu'à environ 4 secondes après la décapitation, le cerveau des rats continue à produire de l'activité électrique entre 13 et 100 Hz. Soit une fréquence qui correspondrait à un niveau de conscience suffisant pour pouvoir penser. Bon, après, c'était des rats, quoi. Mais la plupart du temps, ce qui fonctionne sur les rats fonctionne aussi sur nous. Un peu glauque de se dire quand même que certains guillotinés ont dû se dire « Est-ce que j'ai supprimé mon historique ?» Merde. Juste avant de fermer les yeux pour toujours. La lecture stimule notre cerveau et l'imagination l'aide à se développer. Vrai, la lecture fait bien plus que stimuler notre cerveau. Elle le rend même en fait plus performant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes un peu... si vous aimez pas lire. Une étude a été menée en Inde sur une vingtaine de personnes illettrées. Après leur avoir appris l'alphabet, la composition des mots et un petit peu de grammaire, les chercheurs ont observé la création de nouvelles connexions entre les différentes parties de leur cerveau. Ils s'attendaient à voir un changement au niveau du cortex externe, mais ont été surpris de constater que ça touchait également des zones plus profondes et plus anciennes du cerveau. L'apprentissage de la lecture aurait des effets sur des zones de notre cerveau présentes depuis des millénaires. Et ça, c'est quand même plutôt stylé. La lecture permet aussi de mettre en place une espèce de gymnastique mentale où tu éprouves ce que les personnages du livre éprouvent, même ce qu'ils font et ce qu'ils disent en fait. On se met à la place des personnages non pas seulement figurativement, mais aussi littéralement en fait. Et ça forcément, c'est un bon entraînement pour ta matière grise. Mon arrière-grand-mère mangeait le cerveau du lapin et me disait en fait que ça rendait intelligent. Vrai ou faux? Pitié, faux en plus, c'est illogique. Hein. N'importe quoi. Par contre, si tu manges le cerveau de ta grand... Non, j'arrête. On utilise moins de 20% des capacités de notre cerveau, voire encore moins pour certains. Alors ça, c'est genre super faux à fond, ok? Tu prends ce commentaire, tu fais un petit bout de papier comme ça, tu le plies et tu le brûles. C'est faux en fait. Vraiment faux. Et d'ailleurs, je l'avais déjà expliqué en fait dans le vrai ou faux numéro 13, hein. Comment ça tu te rappelles pas de ce que j'avais dit il y a une cinquantaine d'épisodes? À quoi ça sert que je m'emmerde à vous expliquer des trucs? Alors, on sert bien de l'intégralité de notre cerveau, mais pas forcément toujours au même moment. On utilise différentes zones en fonction de ce qu'on fait en fait. Mais dis-toi que si tu n'avais besoin que de 20% de ton cerveau, pourquoi est-ce que la moindre blessure au cerveau serait mortelle du coup? Eh oui. Il y en a là-dedans. Et pas que 20%, hein, c'est moi qui te l'ai dit. Il est impossible de ressentir la douleur au niveau du cerveau. On peut donc être opéré au cerveau tranquillou sans anesthésie. Vrai, en fait, le cerveau est déjà tellement occupé à recevoir des influx nerveux de la part de tout le reste du corps pour les interpréter en douleur qu'il ne pense même pas à se plaindre lui-même en fait. Le cerveau ne possède pas de récepteurs nociceptifs, qui sont les récepteurs sensoriels de la douleur. Donc effectivement, il ne ressent pas la douleur. Bon, par contre, pour te faire opérer du cerveau, faut quand même ouvrir tout l'œuf Kinder qu'il y a autour, hein. Et ça. Ça picote un peu quand même. Donc en fait, à quelques exceptions près, on t'anesthésie. Et en même temps, ce serait plutôt traumatisant de rester réveillé pendant toute la procédure. Hein. Moi, je trouve. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. J'espère qu'il vous aura plu, vraiment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air comme d'habitude juste en dessous. Merci à tous. Et n'oubliez pas de balancer un max de facts vrai ou faux pour le prochain épisode qui portera sur ce thème, la théorie de la Terre creuse. Les reptiliens, tout ce qui est théorie du complot sur la Terre, quoi. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici pour ne jamais rien louper de ce qui se passe sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!